Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien mes amours. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Et là vraiment j'ai trop hâte de la faire parce que cette vidéo elle m'a pris grave de temps, puisqu'il s'agit de la transformation de ma chambre en chambre de princesse. Si certains l'ont vu, en ce moment je suis grave en mode Bridgerton et tout, j'aime trop. Et du coup je me suis dit vas-y, je veux trop avoir la chambre qui suit avec tout le reste et tout. Un rêve mes amours d'avoir une chambre de princesse. Donc là mes chéris, du coup je me suis dit vas-y, je me donne à fond, je change absolument tout ce qu'il y a dans ma chambre et ensuite on fait un room tour. Et c'est l'heure du room tour. Donc mes amours, avant de commencer la vidéo, like, abonne-toi si c'est pas encore fait. Tout de suite on va débuter, mais avant ça, qui dit changement de la chambre de princesse dit literie, matelas de princesse, oreiller de princesse. Et pour ce, du coup, cette vidéo est en collaboration avec Emma Matelas. Et franchement, un grand merci, parce que sans eux, du coup, j'aurais pas pu changer toute ma chambre. Et je suis trop contente. Vous allez voir, c'est trop beau. Ça va trop vous inspirer, mes amours. Si vous aimez les princesses, restez. Attention, je vous dis marque de princesse, parce que Emma Matelas est numéro 1 des marques de literie en France. Et il faut savoir que, du coup, j'étais là, il y avait la canicule, j'avais trop chaud. Je voulais une chambre de princesse. Donc, je voulais un sommeil de princesse, parce qu'une princesse, ça se couche tard pour mon cas, mais ça se lève tôt. Du coup faut que mon sommeil soit archi réparateur. Et là pour le coup j'ai été sur le site, quelques clics et ding dong, on a sonné à ma porte. Et là on m'a ramené mes oreillers nuages ultra premium hybride, super moelleux, et en plus ils sont réglables, parce que mon chéri lui il aime dormir sur du assez plat mais genre de qualité, et moi j'aime dormir sur du gonflé. Et du coup c'est trop bien, mais vraiment genre je m'enfonce dans mon coussin et tout, je savoure, je le lâche plus. Vraiment, je lâche plus, je fais ma princesse, je reste sur mon lit. Après, je peux rester des heures. Et avec ça, j'ai pris aussi mon matelas hybride V2. Élu meilleur matelas testé en France en 2023. Donc autant vous dire que je peux pas faire mieux. A savoir mes amours aussi que le matelas hybride a été primé plus de 7 fois en Europe. Donc c'est vraiment un truc de dingue, vous dormez extrêmement bien. Parce qu'il dispose de 5 zones de soutien développées par leurs experts pour un confort extrême. Mais mes amours, pour profiter de la qualité Emma Matelas, pas besoin de partir sur un matelas directement si ça fait une trop grosse somme pour vous, ce que je peux comprendre. Vous pouvez littéralement craquer sur tout ce qu'il y a sur le site, que ce soit sur matelas, thé d'oreiller, linge de lit, il y a vraiment de tout pour avoir un lit de princesse. Et c'est le moment de craquer mes amours, puisqu'à raison de la campagne Ding Dong by Emma Matelas et de la période du Back to School, tu vas avoir jusqu'à moins 50% sur le site. Et surtout, si jamais tu veux choisir un matelas, tu peux cumuler avec mon code promo qui est de moins 10% supplémentaire, que je te mets juste ici ou en barre d'informations, jusqu'au 12 septembre inclus. Et voilà mes amours, tout de suite on débute avec le room tour. Monsieur Daddy Fit Love va venir toquer à ma porte et je vais faire découvrir ma chambre de princesse, enfin ma suite de princesse. Qu'est-ce que je raconte? Pourquoi je dis chambre? Il y a la salle de bain, le dressing et la chambre. C'est parti, j'ai trop hâte. Bon mes amours, du coup pour ceux qui connaissent ma chambre avant, et ben vous allez voir que le changement il est fatal. Mais pour ceux qui connaissent pas ma chambre avant, je vous mets dans le petit i là ou là. On va essayer de faire la youtubeuse parfaite. Et vous pourrez voir la chambre avant, ça n'avait rien à voir, c'était un peu style moderne, simpliciste. Non, comment on dit, simple quoi, épuré, épuré. Mais là je voulais du cachet. Du coup on va commencer avec la première pièce maîtresse mes amours. Ce sera cette penderie où j'ai mis toutes mes robes de princesse. Et je vais essayer de vous donner les refs, hein, parce qu'il y a beaucoup de récup aussi, mais je vais essayer de vous donner les refs. Là j'avais acheté sur Amazon, franchement la prenez pas, c'est une qualité éclatée. Mais bon, maintenant qu'elle est là on va la finir, mais l'achetez pas. Voilà, et dessus du coup j'ai mis mes ailes d'ange. Le soir je me mets toute nue, je mets mes ailes et je m'envole dans le ciel. Ensuite j'ai pas dit ça, toutes mes belles robes de princesse House of Sibi. Voilà, c'est quand je vais manger chez Bridgerton. Je vous les montre quand même parce que je vous jure, elles vaut trop le coup que je les montre. Elles sont trop belles. Dites-moi laquelle je mets pour aller au restaurant avec mon crush. Parce que là, je suis en pyjama, mes amours. Je suis en bandeau skincare, c'est pas vraiment un vrai bandeau de la vie. Bon, bref, j'ai vraiment des trop belles robes. Et regardez cette robe. Celle-là, c'est vraiment la robe que j'ai qui fait le plus princesse. Voilà. Non mais si tu veux pas que je bouge, arrête de faire ça. Mes chaussures pour mes pieds. Non, là je vais vous montrer, j'ai mis toutes mes chaussures, mais c'est pas toutes mes chaussures, c'est toutes mes chaussures de princesse. Cette paire est trop belle. Tu peux zoomer? Comme ça ils vont voir le sale de mes pieds que j'ai mis dedans.
cette paire. Cette paire que jamais de la vie j'aurais pensé aimer. Ça s'appelle des Babies et c'est trop beau. Cette paire qui vient de chez Vinted, c'est des Playboy que j'ai payé 5€, elles sont trop belles. Et celle-là, c'est celle que j'ai au pied. Voilà, pas trop de la qualité. C'est pas de la fourrure d'autruche, mais bon, ça fait l'affaire. Une fausse princesse en vrai. Je rigole, tout vient de la brocante. Les petites chaussures Miu Miu vintage que j'ai achetées sur Vinted à 30€. Et là, je vais vous montrer la pépite du chef, mes amours. C'est vraiment trop beau. Et ça, je vais les déballer avec vous parce que franchement je les ai achetés spécialement pour la vidéo pour avoir une paire. Parce que mes amours, il faut toujours une paire. Les princesses des fois ça va nourrir les vaches et tout. Parce que moi je suis une princesse qui prend soin des animaux. Du coup j'ai acheté les bottes Miu Miu que beaucoup de monde vont trouver ça hideux. Et que j'ai payé la peau du Sporlich. Parce que franchement je les trouve trop belles. Et j'ai galéré à les avoir à son rupture partout. Et ça c'est des vraies bottes de campagnard mes amours. Campagnard, mais luxe, tu connais. Franchement, c'est la seule pépite qu'il y a dans la chambre parce qu'après, c'est beaucoup de récup. Mais en tout cas, waouh. Bon, mes amours, ensuite, on continue pendant qu'on y est avec le tapis. J'ai acheté sur internet, mais je sais plus où je l'ai trouvé parce que j'ai tapé tapis princesse, tapis château. Je sais plus ce que j'ai tapé et je l'ai trouvé, donc je saurais pas vous dire d'où il vient exactement. Mais en tout cas, il est trop beau. Il est un peu fin et je l'ai payé 150€. Ça, je m'en souviens. On va continuer avec ceci. Donc ça mes amours, vraiment cette commode, je l'aime trop. Je l'ai achetée sur une brocante en ligne. Ça s'appelle je sais plus. Je sais plus les noms des sites, mais regardez, c'est des brocantes qu'il y a en ligne et tu peux acheter des anciens vrais meubles de château et tout. Et le monsieur, il repeint tout et il rénove en fait et c'est incroyable. Il y a une petite clé comme ça comme dans Alice Panzerville, franchement. Là, il y a des petits angelots trop mignons parce que ça fait trop princesse. Trouvé à la brocante. Ensuite, cette boîte pareil que j'ai trouvé à la brocante, je l'ai payé, il y a encore le prix, 6€ et je l'aime trop, mais genre vraiment je la trouve incroyable. Une petite pince pour les cheveux, des bijoux que j'ai trouvé à la brocante, c'est un sautoir et un petit bracelet. Regardez, il y a encore les prix. Ce collier qui vient de chez Zara, qui vient de mon clip de Dilui. Vous vous souvenez, j'arrache un collier dedans, ben c'est lui. Un Pandora que mon chéri et mes enfants m'ont acheté à Noël. Trop beau. Un bijou de chez AliExpress. Un bracelet Dolce & Gabbana. Pardon. Et il est trop beau là, mes amours. Vous pouvez mettre une photo, genre. Et du coup, je vais mettre la photo de Morgan Makeup et celle de Vava, parce que je suis fan d'eux. Et ça, c'est un petit bracelet Swarovski. Franchement, il est trop beau. Oh, il est incroyable. Je trouve que je suis une femme de goût, quoi. Je suis une femme goûtue. C'est... Hein? T'es sûr? Ouais. J'ai le contraire. Oh, mes amours, vraiment, la déco, elle est trop belle, mais ça revient pas cher de faire une déco comme ça. Ici, il y a du coup ce portant que mon chéri m'a ramené de chez Action. Là encore, il y a un collier Vivienne Westwood. On a un petit chouchou Miu Miu. Un bracelet que j'ai acheté sur TikTok. Je me suis fait grave arnaquer, mais je le garde. Et ça, ça vient d'une autre une petite bijouterie sur TikTok. Je vais vous en parler bientôt. Donc voilà, je vous dirai à ce moment-là. Et là, c'est une petite pince que j'ai achetée à H&M. Elle est trop belle. Ma coque de téléphone et mon téléphone. Cette petite coque que j'ai achetée chez Amazon et elle est très dans le mood. Un bougeoir, pareil, qui vient de chez Amazon avec des bougies qui viennent de chez Action. Ça c'est très princesse, hein. Là, le soir, quand je vais me coucher, j'allume les bougies et j'arrive comme ça dans mon lit. Ça fait bien flipper. De fou. Après, on a un petit polochon. Un petit pochon, pas polochon. C'est mon chéri, il m'avait acheté une bague à la fête des mères avec mes enfants. Et là, celui-là, je l'ai acheté à une friperie. Regardez comment il est trop beau. C'est un camé. Ma grand-mère, elle aimait trop les camés avant. Et là, c'est vraiment collier de chez Bridgerton. Mais il faut bien mettre la tenue avec. Ici, j'ai mis ça, je l'avais déjà. Je crois que ça vient de chez Maison du Monde. Un petit carnet Dior que Sephora m'avait offert quand j'avais été faire des achats. Une fois qu'on m'avait offert quelque chose de beau, bon, je le garde. Parce que leur échantillon de parfum, à 10 centimes, on n'en peut plus. Quand on fait 500€ d'achat, ça nous saoule. Et là, c'est un petit carnet aussi que j'ai acheté à la brocante avec des fleurs séchées et du papier recyclé. Mes amours, il y a ce miroir majestueux, incroyable, que j'ai acheté chez Sclum. Oh waouh, il est trop beau, franchement. Il a un œil noirci. Ça, je sais pas pourquoi. Waouh, il est trop beau. Waouh! Avec un petit bijou comme ça que je mets souvent en ceinture, c'est avec tout des croix et tout. Et ça, ça veut pas dire le signe du diable. Pour info. Un vase avec des fleurs un peu éclatées que je vais aller en chercher des nouvelles parce que franchement ça ressemble à rien. Mais le vase pareil, je l'ai acheté à la brocante, il est incroyable, je l'aime trop. Et ensuite on a la boîte de bijoux avec tous
mes bijoux, mais je vais pas vous les montrer en détail, mes amours. C'est plus des bijoux Chanel et tout de chez Kamad. Et ça, c'est un petit collier que j'avais. Ah non, celle-là, je vous les montre parce que ça fait trop princesse. Boucle d'oreille Vivienne Westwood. Voilà. Et la boîte là, elle vient de chez Action. Elle était incroyable, mais elle est plus dispo. Mes chéris, on passe au tiroir parce que vous allez voir que les tiroirs, même mes tiroirs, ils sont trop bien rangés. C'est que mes chemises de nuit et mes petits corsets et tout pour la nuit. Vintage. Genre, je vous en montre une seule parce que voilà, flemme, mais regardez. Voilà. Moi, je suis une princesse un peu déjantée. Je suis pas une vraie princesse. J'adore. Elle est un peu transparente. Je ne veux vraiment pas sortir avec. Mais moi, je vais mettre un fond de robe avec. Je vais vous montrer aussi celle-là. Celle-là, c'est pas une vintage. Elle vient de chez Asos. Regardez cette beauté. C'est pas trop beau, ça? À toi que je parle. T'aimes bien? Ouais, c'est beau. Voilà, pour le premier tiroir. Le second tiroir, c'est tout ce qui est corset de princesse. Genre des corsets comme ça. Vous voyez? Et voilà, je vais pas tout vous déballer, mes amours, mais c'est tout des corsets. Vraiment que des affaires qui font Bridgerton. Mes petites pinces à cheveux, que ceux-là, j'ai galéré à les avoir. Je les ai achetées sur Amazon, elles sont trop trop belles. Là, il y a encore un produit que j'ai pas encore ouvert. Et sinon, là, c'est mon chargeur et mes coques de filles du pain. Dans le dernier tiroir, c'est encore des trucs de filles du pain. Genre des ensembles pour dormir et des corsets. Il y a les deux. Il y a des petits bandanas. Il y a une petite boîte que j'ai achetée à la brocante. Parce que dedans, je vais cacher les dents de mes enfants pour me faire un collier. Mes amours, mais même mes chaussettes, c'est des chaussettes de filles du pain. Quand je suis dans un mood, je le suis à fond. Même mes culottes, c'est des culottes de filles du pain. Et je rigole pas. Hein. Genre, c'est n'importe quoi. Vraiment, je suis dans un personnage, absolument. Je vous ferai un haul sur Instagram, mes amours, ou sur TikTok. Donc, rejoignez-moi comme d'hab. Voilà. Donc, voilà pour cet espace de vie absolument merveilleux. Parce que je parle aussi comme une princesse, hein, du coup. Ça y est, tu t'es mis déjà dans la peau du personnage. Voilà. Ici, mes amours, on a un chevalet que j'ai acheté à Cultura avec une toile et du gloss. J'ai fait des bisous parce que je trouve ça trop romantique. Et là, là-dedans, c'est un sacré péto avec des ballerines trop belles. Je vous les mets là à côté de moi. Je vous décale et là, je vous mets les ballerines, comment elles sont belles. J'ai été chez Repetto. Non, c'est mon chéri qui a été. Et j'ai pris les noirs et les roses. Je m'étais dit jamais de ma vie, je vais remettre des ballerines. Mais en vrai, des ballerines de danseuse, oui. Mais que les ballerines de danseuse. Voilà. Ensuite, on passe à la coiffeuse, mes amours. Elle vient de chez Amazon, 170 €. Franchement, c'était pas cher du tout. Elle est trop belle, comme ça je peux me faire un coin make-up et tout pour faire des vidéos en vrai sur TikTok. Tout ça, c'est trop bien. Et là, j'ai rangé tous mes produits que j'utilise souvent. Brume pour les cheveux, crème, tout ça. Et je sais que tout le monde me demande tout le temps où viennent les produits Glow Recipe. Ça vient de Dubaï pour ma paille. Pour ma part. Pour ma part, je les ai achetés à Dubaï, voilà. T'es pas habillé en fils du pain, toi. Tu vas sortir de ma chambre. Hein. Tu gères tout. Ouais, c'est-à-dire toi qui vois. Sur ta Adidas, là. Petite crème gommage au sucre de chez Dior Prestige. Ça, c'est le prince Eric qui me l'a offert. Pas de poussière. Ça, mes amours, Charlotte Tilbury qui m'a offert ça. C'est une crème avec Disney. Waouh. Bref, on va pas développer sur tous les produits. Tous ces vernis là qui sont trop mignons, je les ai achetés aussi à Dubaï. Ils sont incroyables, ça fait vraiment vernis de princesse, je trouve. Et les rouges à lèvres là, c'était des rouges à lèvres. Oh, vous allez aimer. Regardez, mes amours, c'est des rouges à lèvres transparents avec des fleurs dedans. Et ça, ça venait de Amazon. J'avais acheté tout le AliExpress, un des deux. Mais en tout cas, j'avais acheté ça vite fait, c'était pas cher. Un ange. Ce miroir là, il vient de je sais plus où, on me l'a offert. Donc si vous savez, vous me le dites. Mais en tout cas. Je pense que c'était Shein. La boîte que j'ai achetée, pareil, à la brocante, avec un bébé truc Dior. Ma croix qui est trop belle. Et là, c'est des colliers, en vrai, on va pas tout développer. Je vais juste vous montrer, comme ça Lilo sera contente. Ça, c'est Lilo qui me l'a fait. Ensuite, là, il y a mes parfums Ariana Grande. Et vous arrêtez pas de me demander sur TikTok, le meilleur, c'est lui. Il sent trop bon, celui-là. C'est le Thank You Next. Voilà. Il y a ça aussi, ça vient de Amazon. Ce petit pot à pinceaux qui viennent chez Maison du Monde. Et les pinceaux, ils viennent de chez Amazon aussi. C'est des 10 ous. Ce parfum qui est Carolina Herrera. Ils sont trop bons de fou. Et ça, pareil, ça vient de la brocante, mes amours, avec des petites roses et tout. Je trouve que ça fait tout. Maintenant, je vais vous montrer ce qui se cache dans les tiroirs. Premier tiroir, c'est tous mes blushs et mes highlighters Charlotte Tilbury. Je range en même temps. Et mes blushs Dior. Le deuxième tiroir, c'est mes blushs Shein, parce que désolé, on peut dire ce qu'on veut, mais c'est les meilleurs blushs. Rare Beauty, Highlighter et les autres. Et ceux-là, ils viennent de chez YesStyle. Ils sont trop bien. Ici, c'est de la skincare, du make-up un peu plus luxe. Truc Charlotte Tilbury. C'est beau.
Oh, c'est beau. Regardez-moi ces pépites là. Et ici, pareil, c'est du Charlotte Tilbury. Parce que vraiment, Charlotte Tilbury, ma vie. Charlotte Tilbury, je t'aime. Et Too Faced. Voilà pour l'espace coiffeuse. Mais vraiment, elle est trop trop belle avec les petites moulures et tout. Je l'adore. Oh, bah ça, l'espace lit. Donc, je vous ai dit, mon lit, c'est un lit de princesse. C'est trop beau avec mon matelas trop confortable. Comme je vous ai dit, de chez Emma. Et franchement, je vous jure, je l'adore. Mon lit, c'est vraiment mon truc préféré. Il y a la housse de couette qui est grave dans le mood de princesse et tout, avec la petite dentelle, tout ça. Et les oreillers avec les petits trucs comme ça et tout, c'est trop beau. J'ai un petit livre comme ça, Magic Spell, pour que dedans je note les vidéos YouTube et tout. Le petit coussin qui est trop mignon. Et ensuite là, j'ai pris ça, je l'ai pas déballé pour le déballer avec vous mes amours. Ça c'est un nœud pour les cheveux que j'ai mis dessus. Et je garde mon sac Victoria's Secret parce que je le trouve incroyable. Et du coup j'ai acheté des robes de nuit très Bridgerton. Il y a celle-ci, non c'est trop beau mes amours. Ensuite j'ai pris cette combi short, pareil, elle est comme ça. Par contre ça coûte trop cher, hein. Victoria's Secret, baissez vos prix franchement. Mais c'est tellement beau mais voilà. J'ai pris ça, qui est un truc pour accrocher mes clés, ça fait trop princesse. Et comme ça, moi, j'ai plus peur de mes clés parce qu'il est vraiment gros, le... Donc, ce coffre, mes amours, qui est incroyable, que je... Pareil, je sais plus où je l'ai acheté. Parce que moi, je tape coffre princesse, coffre château. En fait, je m'en fous de la boutique, je vois que c'est bon, je commande. Mais j'avoue, je sais plus d'où il vient. Je suis désolée, mais tapez sur internet, bout de lit, princesse, capitonnée. C'est du bordel quand même bien rangé. C'est du bordel cute. Voilà, comme ça, je peux stocker des trucs. On a des petits porte-bougies. Non, en vrai, c'est des porte-fleurs, on m'a dit. Il y a mes trousses de maquillage de produits que j'utilise tout le temps. Une trousse de restock de make-up aussi. Des petites bougies. Là, c'est une trousse avec des crayons. Là, c'est des En fait, c'est tous mes bijoux, je les stocke là parce que bah, j'ai pas la place. Donc, je vais tout vous montrer, il y en a beaucoup trop, mais pareil. Une brosse vintage. Il y a tous mes cheveux dessus tellement je l'utilise tout le temps. Et le miroir qui vient de la brocante. Et c'est trop beau. Qu'est-ce qu'il y a? Ça, c'est tous mes bijoux que j'ai achetés à... H&M, mais mes amours, pareil, je vais pas vous faire un haul, je vous l'ai déjà fait sur TikTok, allez voir, franchement vous allez voir. Toutes mes brumes Victoria's Secret, enfin une partie parce que les autres sont dans mon studio et mes autres boîtes, enfin voilà. Un petit bordel, no bordel, un petit bordel, un trésor bordel. Qui n'aimerait pas avoir ce bordel chez soi? Tout le monde le veut, je baffe tellement. Oh, j'ai presque fini. Ensuite, du coup mes amours, mon mur de cadre qui est trop beau. Franchement, alors là, je suis trop fan, je l'aime trop. Et sachez que du coup, j'ai, sauf celui-là, ce cadre-là j'ai acheté sur internet et la photo je vais la changer. C'est parce qu'en fait il faut que je puisse imprimer ça, j'aime pas du tout. Mais en tout cas, tout cela, c'est des cadres qui viennent de chez La Brocante. Une brocante quoi, vraiment que j'ai racheté d'ancienne époque. Et juste, il y a juste ces deux là où j'ai enlevé le tableau qu'il y avait dedans et j'ai mis des images d'anges. Et regardez pas, ça c'est censuré. Et là, c'est un cadre vraiment de Burnett. Mes amours, si vous connaissez Burnett, Burette ou Burnett, je sais pas c'est quoi, dites-moi, parce que ça tombe, il vaut 10 000 euros et je suis pas au courant. Mes tables de chevet, pareil. J'ai une petite boîte bijoux, trop belle. Ce buste, vous l'avez sûrement vu. Ah non, il est pas encore sorti dans la vidéo de la rentrée qui sort bientôt. Vous allez voir, j'ai acheté à Maison du Monde, il est rose. Oh. Petite lampe qui vient de la brocante avec des petits papillons et tout. C'est vraiment une ancienne, même la pose est ancienne. Mais franchement, je l'aime trop, je l'adore. Dommage, c'est à la brocante, tu pourras pas le trouver. Table de chevet aussi en marbre comme ça, c'est du vrai marbre et ça venait de chez Maison du Monde, c'est déjà celle que j'avais dans mon ancienne chambre. Mon autre table de chevet, c'est un ancien vase qui vient de H&M Home. J'aime beaucoup les gens tout nus, hein, comme vous aurez remarqué. Des petites fleurs et là c'est deux livres, il y en a un luxe que... et un Dior, ça vous pouvez trouver partout. Un coquillage qui vient de chez West Wing. Ça c'est Maurice, ça c'est Maurice. Il vient de Londres, il s'est fait bouffer par Marshall. Mais je l'aime bien, il est beau. Donc il a le droit d'être dans mon lit. Donc ça c'est, ah non, et mon lustre. Mon lustre en cristal plastifié. Un lustre en cristal plastifié de chez Amazon. Oh, il est trop beau, franchement je sais. Il fait grave son effet. Et je sais qu'il n'était pas si cher que ça mes amours. Mais vraiment il est trop trop beau. Je l'adore, je trouve qu'il va bien dans le thème de la chambre. Mes amours, c'est fini pour la chambre, maintenant je vais vous montrer ma salle de bain parce que je vous ai dit c'est une suite à mon dressing. Mais mon dressing j'ai rien changé. Mais ceux qui n'ont pas vu l'autre vidéo au moins ils verront. Et ma salle de bain, j'ai juste modifié des petits trucs. Mais à la suite je vais modifier plein de choses. Je vais faire vraiment un thème princesse et tout. Mais là vraiment je me suis concentrée sur ma chambre. Mais vous allez voir, c'est quand même trop mignon. Mais à savoir que j'ai tout bien rangé et que de toute façon je vais rajouter des trucs et je vous mettrai sur TikTok. Je vous ferai des petites vidéos sur Insta et tout. Voilà ma salle de bain mes amours. Mais
Faites pas attention à ça, en plus il est sale, je l'ai même pas lavé. C'est pas grave, il est moche et je peux pas le changer parce que franchement flemme. Mais bon bref, je vous montre ce qu'il y a dedans, c'est les produits de mon chéri et quelques produits à moi, mais je vais tout bien ranger. J'ai pas encore le temps de mettre tout vraiment mes produits, mais j'en ai marre de surcharger, j'en ai marre. Donc voilà, mais en tout cas ça va quand même bien ranger. Mon lavabo, il y a toujours mon éponge dedans parce que toujours je le salis et là, faites pas attention, les joints de carrelage, on doit les refaire. Voilà, mais sinon j'ai mis des petits trucs mifides, mes petites crèmes job. Et là du coup mes amours, c'est vraiment toutes mes skincare un peu Chanel et tout, parce que je trouve que ça fait trop beau et c'est vraiment ce que j'utilise le plus le soir. Et là regardez, j'ai mis des serviettes que j'ai trouvées à la brocante. Je trouvais ça donc grave dans le thème. Les tiroirs de mon meuble du coup, là c'est toutes mes skincare aussi. Avouez, c'est trop mignon mes amours. Même mes tiroirs sont trop princesses, je suis désolée hein. Vraiment j'ai mis toutes mes petites crèmes et tout, tous mes produits que j'adore, gommage et tout. Ici on a un petit tapis qui vient de chez Amazon aussi, une petite poubelle, un truc un peu effet marbre là, voilà. Et un porte PQ en or, parce qu'on a un cul en or dans cette maison. Ici mes amours, pareil, j'ai mis de la skincare et tout, du restock. Et ça c'est une trousse pareil avec des produits, voilà, en gros. Rien d'exceptionnel mais c'est quand même beau. Ici c'est mon tiroir de bain, là où je mets toutes mes bombes de bain. Même si j'en ai plus beaucoup parce que vous allez voir, je vous ai tout préparé pour un concours dans le canal Instagram. J'ai enlevé les trois quarts. Mes salles de bain, mes huiles pour les cheveux, ça c'est tout ce qui est cheveux aussi. Et voilà. Et l'autre tiroir pareil, c'est tous mes appareils pour les cheveux, tout ce qui est lac, mousse, sérum. Ça c'est une trousse avec toutes les affaires pour les cheveux. Là c'est mon brumisateur pour les cheveux. Ça c'est des pinces pour les cheveux. Sans blague, bah ça tiroir à cheveux quoi. Oh même du pain. Il ne va plus. On se demande qui l'a cassé. Il faut le recharger. Ah oui. Voilà, c'est tout mignon. Je trouve ça trop beau. Petit close-up. Voilà, mon espace baignoire. Là, je vais changer de pommeau. J'ai vu un pommeau. J'ai vu sur Amazon, il y a un pommeau. L'intérieur, il est rose, pâle. Oh là là, je vois que du rose partout. Parce qu'il est mort celui-là, par contre. Je vois que du rose. Mais c'est beau le rose. C'est beau. Là mes amours, c'est tout mes gels moussants, gommage et sel de bain, voilà, voilà. Petite fleur de douche trop mignonne. Ici c'est mes shampoings et mes soins pour les cheveux, shampoing solide et tous mes produits Jisoo parce que vraiment c'est ma base. Et là c'est une petite serviette avec des petits strawberries. Ah, c'est pas des fraises. Ah si, c'est des strawberries. Oh. Les strawberries c'est quoi? Je sais pas. C'est des fraises. Oh, je savais pas que c'était des fraises. Mais parce que j'ai trop mal dit. Je l'ai trop mal dit. Ah, c'est strawberries. Je suis trop nul. Je sais rien de quoi. Mon tapis Hello Kitty. Celui-là, il vient de Dubaï. Je l'ai acheté à Mimiso. Et là, mes amours, c'est mes peignoirs et mes serviettes. Pareil, ça, c'est une serviette vintage. Genre, un peignoir PLT qui m'avait envoyé avec mon nom derrière quand il m'aimait encore. Mais maintenant, il m'aime plus. Et un peignoir vintage Balenciaga. Oh, il est trop beau. Vraiment, le vintage, c'est tellement mieux. Que genre, mes amours, le vintage c'est tellement mieux que les trucs qu'on achète. Je sais pas pourquoi. Genre, je sais pas pourquoi je trouve ça mieux, plus beau. Ça m'inspire mieux. Ouais, j'adore. Et là, c'est ma douche. Ça, c'est tombé. Mon chéri, il a refait le bac de douche. Tiens, le signaler quand ça sera content. Parce que non. Il est bien fait. Et ça, c'est tombé du mur. Du coup, je vais en mettre des roses parce que j'ai vu des roses sur Amazon. Et voilà, là, y a rien de spécial, mes amours. C'est une petite douche, quoi. Une petite douche, elle est quand même bien. Ouais, c'est une petite douche italienne, quoi. Voilà ma chérie, et maintenant c'est vraiment pas le dressing de mes rêves parce que mon autre dressing est dans mon studio en fait. Mais je le trouve mignon et en plus ça fait très fille du pain en vrai. Voilà, là c'est des sacs, je vais pas vous les montrer en détail, hein, c'est des sacs vintage. Là en fait c'est tous mes vêtements et si jamais vous avez déjà vu la vidéo, voilà, je vais pas du tout vous montrer en détail mes amours. Tous mes sacs, mes vêtements, j'ai essayé de bien ranger mais c'est un peu surchargé j'avoue. Mais en tout cas voilà, là c'est mes lunettes de soleil. En fait on s'en fout hein. Mais c'est juste pour vous montrer que j'ai un dressing qui est très beau ici parce que c'est bien rose. Non en fait c'est juste pour vous montrer que j'ai bien rangé mon dressing mais c'est tout. Là regardez ces chaussures de princesse. Pas des choses de princesse ça? J'aurais dû les mettre là-bas non? Ah ouais non, celui-là je les mets ici hein. Je les mets là hein, sacrilège. Elle mérite d'être dans le rayon princesse. Bah voilà mes amours, c'est terminé pour mon room tour de ma nouvelle chambre de princesse. En fait je voulais grave le filmer avec vous et tout, mais je me suis dit bah, ça va être tellement long et...
foire, la vidéo elle aurait duré 1000 ans. Donc je l'ai fait de mon côté et tout. Mais si jamais vous voulez voir des passages où j'ai vraiment monté ma commode, monté ma coiffeuse et tout, allez encore une fois sur TikTok parce que je vous avais fait plein de petites vidéos. En attendant, j'espère que vous avez kiffé, j'espère que vous validez ma chambre. Si c'est le cas, vous mettez hashtag princesse Sandra, ça me fera trop plaisir. Les amours, likez, abonne-toi si c'est pas encore fait, mets-moi un petit commentaire, je répondrai. Et il y a d'autres vidéos back to school qui arrivent en retard sur la chaîne. Je suis désolée, mais voilà, j'ai eu beaucoup de travail. Mes chéris, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bisous! Dans ton œil.